Ian Guichard scores double in Dublin Bay. He's now in first place after arriving 7 minutes ahead of Sebastian Jos and Sidney Guevenier, who came only 30 seconds later. As expected, it was really close right from the start. We were so close at times that it really was neck and neck. But it was only on the final run along the Irish coast that everything finally played out. The difference between each place was balanced on a knife edge. We're over the moon to have won. We held on to the very end for this fantastic win, and it's filled the crew with a huge amount of confidence. For the multi-50s, the fight for first place was between Erwan Auron and Yves Le Blévec, who ultimately came in front. This is one race to be proud of, with Erwan on Fenêtre à Cardinal, who didn't give up. It was a real fight, right to the end. It was non-stop, such passion. This is a real regatta, but it's exhausting on the nerves. The inshore races will follow this weekend.
Est-ce que le ponton dépasse de l'étrave là? Bon bah écoute, on va bloquer là pour l'instant. Oh putain! Mais y'a pas! Bravo, frère! Merci! Et merci à Jean-Bat parce que c'est vraiment le plus zen de nous tous. Parce que là, il fallait être zen. Et bravo! Là, la vache! On a tourné les manivelles. Ouais, c'est assez incroyable, hein, cette régate. Avec Erwan sur Fenetria, on s'est pas lâché de la régate. On s'est lâché jusqu'au Cap Finistère, on est passé de chaque côté de la DST, on s'est retrouvés. On passe le Ratzin à quelques longueurs d'écart. On se retrouve ensemble au Fastnet, où là c'est lui qui était devant. On lui remet un peu dans la nuit, il revient au contact là au petit matin. Non, on a passé 4 jours de régate bord à bord. Alors en fait, à chaque fois, on avait l'impression de mettre un petit matelas, d'être tranquille. Et puis en fait, non. Et en fait, ça n'a pas arrêté. C'est passionnant, hein, c'est de la vraie régate, mais c'est un peu épuisant. Nerveusement, c'est un peu épuisant. Alors heureusement, on a à bord Jean-Baptiste Vaillant, qui l'a appris, les commandes, a pris un peu les choses en main ce matin pour tirer les bords, là, où il fallait contrôler Erwan, et il a vraiment assuré. On a bien bossé avec Luc, Renan et moi. On a suivi les instructions et ça s'est super bien passé. C'était le plus zen de nous tous, donc ça permettait de tomber un peu la pression. Il fallait surtout pas faire de bêtises, il fallait bien naviguer, être lucide dans nos décisions. Donc ça s'est vraiment bien passé. Mais c'était vraiment dur parce que tout au sud de l'Irlande, là, il y avait de la molle, de la pétole, donc ça revenait. Erwan, il est revenu quasiment au contact. Au jeu des moments, il y avait 0 nœud de vent. Et puis ça s'est fini en tirant des bords, là où il fallait contrôler la situation. C'était pas facile. Enfin, alors c'est une belle revanche par rapport à la première manche. Et puis, si on sort notre calculette sur le classement général, c'est une super bonne opération, donc il y a de quoi cette là, c'est bien. C'est bon, hein? C'est bon de se faire mal, hein? Tu l'as dit, hein? Moi, j'étais fumé à la fin. Je me vois, il vire, j'en ai marre. Il vire. Je te demandais à chier, mais non. À la fin, il vire. Mais c'est bon, on arrive là. C'est bon, hein? On a avec ça à faire. Bah ouais, je sais pas combien il y a d'écart à l'arrivée, mais tout ça pour ça. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. C'est génial en même temps parce que ça montre que la jauge des multi-50 elle est pas si mal faite que ça et que voilà, les bateaux ont des conditions enfin assez similaires. Voilà, on arrive à égaliser les vitesses, donc c'est top, ça donne des super matchs et je crois que c'est pour ça qu'on fait de la voile et c'est pour ça qu'on fait de la compétition. Donc voilà, c'est génial. Ça, ouais, dès le départ, hein, ça a été comme ça. Donc un coup à lui, un coup à nous. Et puis voilà, l'important, c'est... Voilà, il suffit de 200 mètres pour passer la ligne. Donc voilà, bon, bah...
Mais bah, c'est top hein, parce que des trucs qu'on ne maîtrise pas forcément. Quoi. On se dit qu'on va aller faire une option, qu'on va être bien placé. Puis finalement, voilà, la baie là, de cette nuit-là, on était tous les deux à 50 mètres là, l'un de l'autre. Quoi. Puis il y en a un qui repart et puis il recolle 3000 à l'autre. Enfin, c'est l'enfer. Je crois que c'est ça qui fait vraiment la beauté de ce sport. C'est voilà, on lâche rien. Nous on n'a rien lâché eux non plus et on leur mène la vie dure et c'est normal et on veut gagner les régates. Donc voilà, mais bon, ils font une très belle étape, ils ont très bien navigué et un grand bravo eux, en tout cas. On a tiré des bords le long de la côte là et c'est vraiment magnifique. C'est le côté irlandais et j'adore l'Irlande. Voilà, on n'y va pas si souvent, mais c'est super. Bonjour, départ. Lisbonne, direction Dublin. Donc le début était un petit peu laborieux, mais nous avons réussi à choper le vent avant nos camarades. Du coup, nous avons le droit aux récompenses. Voilà. Des manteaux. Notamment, sans vouloir faire des publicités, les sucettes récompenses que je vais donner à Bilou et aux mes petits camarades. Bon Vincent, petit déj. Ouais, petit déj, ouais. Lundi matin au bureau, petit déj. La planète d'air. Routing. La vie est belle. Cadeau. Lundi matin au bureau. Ouais, voilà, les stratères sont pas là, on peut s'occuper. Bon, ouais, nous ça bricole. Petit souci de safran ce matin, lundi matin. Et là, on est en train de voir nos amis, nos concurrents et néanmoins amis Oman revenir.
qu'on appelle l'effet des pauses minutes. Le long des côtes d'Irlande, les derniers milles, les quatre bateaux sont groupés. C'est très 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 chaud. The Route des Princes has one aim, to connect the provinces to the sea. A little bit like these ferries ultimately. Brittany Ferries boasts a fleet of 8 ships, aboard which over 2 million passengers cross the English Channel and the Bay of Biscay each year. This company was created among the cauliflowers of Brittany some 40 years ago. Quoi de plus important pour un producteur, un agriculteur breton, que de vouloir voir son territoire se désenclaver? Alors se désenclaver par la route, c'était la création du réseau routier breton, mais également par la mer. Les actionnaires, ce sont toujours des agriculteurs, ce sont les mêmes, ou du moins les enfants de ceux qui ont créé cette société. J'y vois même un vrai attachement à la mer, puisque ce pool d'actionnaires, si on veut, ou ces propriétaires de la compagnie Brittany Ferries, se sont aujourd'hui dans une autre aventure de la mer, qui est la course au large, avec donc le multi 80 pieds Prince de Bretagne. Fine encounter in perspective. The Maxi 80 Prince de Bretagne and Brittany Ferries will both come together in Roscoff at the end of the month.